Président pays Venezuela, Nicolas Maduro, en danger après le fin réélu pour la quatrième fois comme président. Pays États-Unis mettait 15 millions de dollars disponibles pour les gens qui arrivent à bailler bon élément d'information pour arrêter Nicolas Maduro. Franchement, ça me saisit. On n'est pas qu'un président pour l'autre pays à mettre un avis de recherche derrière pour arrêter. Est-ce que l'Amérique se connaît ou pas connaît qui côté Maduro est? Ça c'est foulaille. Secrétaire général OEA, lui fouille bouche dans le dossier. Et puis, prend gros disposition contre président Maduro. Bagay ça, lui a déclenché une guerre en tant que président pays Venezuela pour yon l'autre pays à mettre avis de recherche derrière. Ça, c'est un dérespectant. Tenez bien. Par rapport à la calme pays d'Haïti, Jean-Tel Joseph mettait campé un nouveau front opposition en face conseil présidentiel là. Aussi bizarre ça qu'apparaît, dans opposition ça, nous pas joindre André Michel, Nel Kassi, Moïse Jean-Charles, Abolocho. Son l'autre figure, nous ouais. Dans conférence de presse, Jean-Tel Joseph fait, lui présenter tout le monde qui n'a opposition si là. Et regardé vidéo ça jusqu'à la fin. On parle ba nous bon jeu détail avec précision. M'a demandé nous pour like, abonner, peser sous cloche notification, hein, retirer sous personnalité sous tout pour les nouvelles vidéo pour pas rater. Nous c'est production 69. Nous va faire nouvelle, c'est nouvelle que nous bail. Nicolas Maduro président pour la quatrième fois dans le pays Venezuela. Mais après, Nicolas Maduro fin réélu pour une quatrième fois en tant que président, oh, Américain fâché. M'a regardé avis de recherche, yon mette derrière Maduro, États-Unis prêt pour bail jusqu'à 15 millions de dollars américains pour moun qui t'a bail information qui t'a mené avec arrestation Nicolas Maduro, président. Est-ce que vous avez causé 15 millions de dollars disponibles pour arrêter Maduro, président Maduro? Ça, sont des spectateurs. Hein? Vous avez regardé là, Nicolas Maduro, lui retire tête, lui, ou bien retire pays Venezuela, non, sauce qu'elle teye. Vous avez dit, non, grâce à débat il était là et par exemple nous connaissons Nicolas Maduro son nègre qui pas dans ses collés et Nicolas Maduro lui ses amis Vladimir Poutine. On a regardé président Nicolas Maduro avec Poutine là cap serré la main, hein, et Poutine te salué réélection Maduro, hein? Et Vladimir Poutine te même invité le, hein, lui invite le vin dans pays la Russie pour te ka fêter ça, pour te ka font belle fête en tant qu'on nèg là qui président pour 4e fois, lui pour 4e mandat. Tendez bien, pays Venezuela après lui fin élu Maduro, après Maduro fin élu comme président pour 4e fois, lui retire pays Venezuela comme et lui retire personnel diplomatiquement dans 7 pays Amérique latine, parmi eux Pérou, la Chine avec Argentine. Pays ça yo accusé yon tentative ingérence dans réélection président Maduro. M'a regardé opposant dans pays Venezuela yo monté son statut, y a crasé statut là. Franchement, bagala dégénéré. En pile moun mouri, en pile moun pran la ri, yo pas d'accord Maduro comme président pays Venezuela. Kounya la, nous pour joindre pays États-Unis qui pral fouye bouche nan kozé a, qui pral di Maduro son nèg qui a encouragé. Tande bien oui. Je fais konnen
Nicolas Maduro, secrétaire général OEA, Luis Almagro, fait qu'on est la prend, il va demander avec la Cour pénale internationale pour ordonner arrestation président vénézuélien Nicolas Maduro. Il a accusé président Maduro comme moun qui a fait bien décent contre manifestants. Après réélection, il a été payé pour 4e fois. Il a remarqué Nicolas Maduro a fait un bien décent sous manifestants. C'est raison pour laquelle il a ordonné, il a demandé pour ordonner pour arrêter rapide vite président vénézuélien. Ça sont fréquences ça y est là. Pour être président, pour mettre à vider chez DL, pour mettre 15 millions de dollars américains DL, pour arrêter. Et un secrétaire d'État américain, il fait qu'on est demander la Cour pénale internationale pour ordonner rapide vite avec arrestation président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro. Kounya là. Qui ça m'a dit dans ça? Qui ça qui prend le fait à travers dossier ça? Hein? Même c'est oui. Ou bien ça, lui prend déclencher une guerre. Et guerre ça, li ka une guerre mondiale. N'a pas joine Venezuela. N'a pas joine la Russie, n'a pas joine la Chine. Et n'a pas joine nek sa yo non guerre et guerre ça, li pa loin pour éclater. De toute façon, m'a prêté tant m'a regardé qui Jean ça va le fini. M'a prêté que si Maduro pas bouger. M'a prêté que si Maduro pas changer fusil épaule parce que en tant que président, on n'est pas qu'à faire d'espérance ça pour mettre à vie de recherche d'ailleurs pour mettre 15 millions de dollars tête ou attendez un bonjour, un bon matin attendez Nicolas Maduro mourir. Parce que l'argent avec cette là, on est qu'à trouver Maduro. Hein? Yo ka touyel, yo ka krabine men avec Jovenel Moïse. Fok l'autre pays voisin yo, l'autre pays qui associé avec pays Venezuela, fok yo augmenter ou bien assurer sécurité Nicolas Maduro. Fok Poutine fè voyer équipe li al sécuriser Maduro parce que si Amérique mette tout comme ça sous tête Maduro. Si toutefois de nous joindre secrétaire d'État ou bien négati secrétaire général OEA les parlementaires pour joindre une ordonnance pour arrêter Nicolas Maduro, ça c'est une fréquence ça est là faut Maduro pas prendre ça à la légère parce que nous étant ouais qui je ça y est non pays Venezuela parce que nous que quand c'est monde qui prend la rue zam à la main c'est balle qui a pété. Mes amis, je te la marque ça. Hein, je te la marque ça. Et n'a traverser la caille nous parce que la caille nous gagne pile bagarre passer tout. Nous pas capable parler de l'autre pays sans ne pas parler de la caille nous. Attendez bien. Nous joignons Jean-Tel Joseph. Jodi à la qui font conférence pour la presse. Jean-Tel Joseph qui c'est leader parti politique Réveil National. Li mette campé yon nouveau front opposition en face conseil présidentiel là à gouvernement Gary Conille. Dans conférence pour la presse li bay jeudi 1er d'août 2024 là ancien directeur général ANAP BESAP li présenté estikti ak leader yo nan gade figi nek sa ou la c'est nouveau hein ne ka di opposant contre gouvernement en place là. Coalition a gagné la donne 100% diaspora. Alors Haïti qui gagne comme leader maître Franz Gilles, bloc avocat engagé maître Caleb Jean-Baptiste avec ancien membre SDP qui c'est Didier Benel. Yo profité annoncer yo gros journée mobilisation contre pouvoir en place là dimanche cap 11 d'août qui vini là. Nous ka remarqué nous pas ouais André Michel, nous ka remarqué nous pas ouais Nenel Kassi, nous pas ouais Abolotio, Soussou Tigregou, Moïse Jean-Charles.
c'est l'autre figure que nous en dedans et opposition si là comme yo annoncé manifestation m'ta me connait qui bon qui côté manifestation ça va le fait m'pa tendez m'pa ouais et Guy Philippe c'est bien Guy Philippe mourir dans film là en tout cas m'pa invite au garder et puis tendez conférence pour la presse ça côté Jean Joseph t'a présenté nouveau visage nouveau groupe opposition si là malé rendez-vous dans prochain épisode pour qu'on ton l'autre dossier. Pas oublier channel ça c'est production 69 m'a demandé pour like abonner peser sous cloche notification retirer sous personnage et sur tout pour une vidéo pour pas rater qui pas d'accord à Jean pays à diriger même sous tes bon côté nègre ou t'es capable de tromper ou de bonne foi mais sous sentiment de tromper de bonne foi rejoignez nous dans l'opposition plurielle là fait même Jean à magistrat Douyon qui je dis hein, campé bon côté nous. Son monde qui est bon côté nous, qui estime que c'est bêtise qu'a fait, qui estime que pas gagné des pays qu'a préblé, qui rejoignent nous. Eh bien, je dis, nous ouvrons les bras nous. Nous ouvrons les bras nous. Pour tout le monde venir. Et nous demandons un applaudissement pour le magistrat Douyon, qui prend courage de demain, qui dénonce sa attaque par nous, et qui, je dis, parmi les généraux, qui a mené une bataille pour libérer le pays. L'on identifie volé, ou pas continuer de bon côté volé. Merci beaucoup. On l'autre fois, rendez-vous cassé. Rendez-vous cassé. 11 août, tout pays a levé campé. N'a pas échec à couler cette tête-là. N'a pas échec à conseiller. N'a pas retourné dans la constitution. N'a pas pouvoir, n'a pas rétabli l'ordre, n'a pas mis sécurité pour mon travail, pour mon l'école, pour que l'on soit fonctionner normalement. Merci. Des différents partis, groupements, regroupements et organisations politiques qui présent matin avec nous. Organisation FAMIO. Qui toujours marqué présence dans toute activité n'a fait pour payer ça. Chapeau bas. Chapeau bas pour la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, qui présent après-midi. Dans le cadre événement ça, que nous qualifions d'un événement historique dans quatre batailles nous engager pour nous libérer le pays. Nous songeons ici à même dans une conférence de presse équipe qui a piloté réveil nous a annoncé nous prenons décision pour nous lancer en période de concertation, en période de discussion, en période de négociation. Parce que nous te rendons compte, pourquoi nous ne pas qu'à mener une grosse bataille ça. Il y a l'autre gros acteur qui est souterrain, qui a mené le même combat, qui a fait le même discours, nous te dit, faut que nous allions chercher. Pour nous faire un front commun, pour nous faire une opposition plurielle, pour nous affronter pour lever cette tête-là. Je dis, nous venons de la population, mais opposition plurielle. On l'autre fois demandé un gros applaudissement pour l'idée de cette présence-là. Gros dépassement de soi. Qui mettait de côté chapelle paille? Qui mettait de côté ti organisation yo? Même je nous-mêmes nous mettait de côté ti organisation pas nous pour nous doter pays d'une opposition plurielle côté que plusieurs monde qui là pour prendre la parole pour défendre pays. Nous connaissons. Dans qui ça Haïti aujourd'hui, nous tous avons souffert. Pendant que
un groupe qui a joué. Est-ce que nous comprenons aujourd'hui, monsieur, pour un monde qui dit que c'est président, qui voyage l'aller dans l'international, qui déclare tout bagaille a passé correctement, qui déclare que le pays a fonctionné normalement? Est-ce qu'il a accepté ça? Est-ce qu'il a accepté ça? Jodi a moun qui soi-disant représente nous, qui va tête yo non président, nous wè nan ki scandale yo tombé. Problème pays a pas jamais posé. Problème sécurité a pas jamais posé. Problème grand goua, pas jamais posé. Problème petit monde qui va à l'école, pas jamais posé. Mais problème qu'a posé, c'est problème sans. Problème qu'a posé, c'est problème. Problème qu'a posé, c'est problème. Nous d'accord? Non. Moun sa yo, yo te pren engagement. Yo di, y a rétabli l'ordre. Y a mette sécurité. Y a fait élection. Je dis à nous d'accord que yo passé à côté mission yo. Yo fait nous l'aide aux yeux du monde entier. Dans toute histoire du monde, c'est première fois de manière publique de monde qui dit au président trouver yo non circonstance comme ça et yo pas même bien décence pour yo démissionner. Nous venons dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter bêtises à continuer à faire dans le pays d'Haïti. Nous venons dire pays ça, des garçons et femmes vaillants, conséquents, qui ont dirigé. Et nous avons un exemple. Nous venons dire que pays a fatigué avec nous bouquet avec nous. Trop spectacle de bêtises, trop désordre, trop silence. Nous venons dire, s'il vous plaît, pas de boudan. Monsieur, dame, cette tête nous réveille. À tout groupe politique qui l'a, bloc des avocats engagés, Moléder, Fonini, pour me citer ça, ou seulement, nous demander au nom de l'opposition plurielle là, pour moun sa yo retire koyo côté yo hier yo pa pitié le pays a rien. Pays a son troisième catastrophe 12 janvier pour nous te gen tremblement de terre. Nan période insécurité ça c'est plus que un goudou qui passe sous pays a et jodi an pou lève cette tête là passe goudou bal sous administration publique yo comme M. Caleb te répété. Et je dis, ma préprenne, monsieur Dame Sayo, bientôt n'a retrouvé nous devant la justice. Bientôt n'a retrouvé nous dans le paquet. Parce que ce n'est pas tout le temps, c'est nous qui avons là pour faire peuple passer misère. Dans ce sens, nous tous connaissons. Nous avons lancé l'opération Garçon pas campé. Qui t'a pris officiellement prend la rue. Le 8 août 2024, la presse était au courant. Nous avons annoncé 8 août 2024. Mais je dis, nous pas de 14 8 août. L'initiative qui est Réveil National, mais qui est campé avec un ensemble d'alliés, qui vous permet que je dis, nous retirer bon massacre et qui envisage nous. Je suis un petit peu en retard. Et moi pense que je dis à l'éclair, nous connaissons tout le monde en pays. Et ça que nous fait déjà comme bataille en pays. C'est ça que nous-mêmes. Et nous sommes campés pour ne pas rentrer dans la mascarade. Que je dis, on trouve une situation. Pour un groupe de monde que nous avons qui nous aide nous courir derrière volets, c'est eux-mêmes qui prennent bazooka. Ils ont braqué BNC pour aller prendre 100 millions de gouttes.
Et je dis à l'éclair, ensemble de Bounsayo, et nous-mêmes, comme monde Cap Goumen, nous connaissons eux-mêmes qui vendent EDH, c'est eux-mêmes qui vendent Téléco, c'est eux-mêmes qui vendent la série d'Haïti, c'est eux-mêmes qui crasent les pays, c'est eux-mêmes qui permettent que c'est la République de Paris qui gagne. Les eux-mêmes, comme jeunes garçons, qui ont levé dans le quartier, obligés de quitter la province pour rentrer dans la capitale de province, parce que c'est ça qu'ils ont fait comme République d'Haïti. Et c'est eux-mêmes qui font que nous ne payons pas l'hôpital. C'est eux-mêmes qui causent que nous ne payons pas centre de professionnels. C'est eux-mêmes qui causent que nous ne payons pas assez d'universités dans le pays. C'est eux-mêmes qui causent que nous avons ensemble d'infrastructures dans le pays. Mais c'est même eux-mêmes encore, je dis, qui sont dans l'objectif. Il y a un seul objectif pour être capable de craser BNC. C'est ça l'objectif pour craser BNC. Et en connivence avec Rogera, que les États-Unis vont venir, qui vient gérer intérêt, un groupe nègre des États-Unis qui a une balle. Je dis à personne, quand il vient faire un quoi pour nous résoudre le problème d'insécurité en un pays, c'est dans le balle. Avant la première mission, il n'y a pas de balle. Il faut que l'État montre nous des démarches. Côté qu'il y a contrôlé les frontières, côté qu'il y a un rapport avec le Dominicain, parce que je dis à tout pays qui a un problème de sécurité, mais nous-mêmes nous avons un problème de gangstérisation. Qui ça fait que je dis à nous avons un problème de gangstérisation, République Dominicaine, côté balio à passer, puis au milieu de la rue, nous n'avons pas un problème de gangstérisation que nous avons en Haïti. Il faut que nous posions cette question. Et nous croyons que je dis à l'éclair, il faut que nous boumions et c'est boumé pour nous continuer, boumions cette bataille pour nous continuer la bataille. Et beaucoup de monde ça, on est d'accord qu'il n'y a pas de place là. Et ça fait aujourd'hui, on a dit avec Gogéra, il faut que le bluff là fini. Et on a regardé dernièrement qui s'est passé dans l'hôpital général. Parce qu'on a dit qu'il y a un contrôle total capital là. Et pendant ce temps, il n'y a pas qu'à descendre par le national pour travailler. Il n'y a pas qu'à aller dans l'intérieur pour travailler. Il n'y a pas qu'à aller au côté pour travailler. Mais on dit qu'il y a un contrôle total capital là. Et c'est ça fait aujourd'hui, ou même comme citoyen qui quitte la caille. Ou même comme citoyen Josia, si vous allez dans le sud, faut payer poste de péage. Ou même Josia, comme citoyen qui vit à Carrefour, Josia, pour mettre un chaudier la caille, pour faire manger, faut payer Bandia. Et si citoyen sorti, quitte Kaili, Bandia paye, Bandia saisit Kaila. Pour le fonds transfert, faut payer Bandi et faut banque l'en paye Bandi. C'est pays ça. Yon groupe rejeton, dis-nous que yon contrôle total de nous-mêmes. Fait que Josia, c'est un impératif lié pour nous camper, pour nous commun, pour nous capables de retirer ensemble des remblais à aux jeunes toujours dire nos visages. Merci. Ouais. Voilà, fini. Récréation fini. Comité 100% diaspora. C'est une structure sociopolitique. Référence qui l'ouvre par toute l'autre organisation dans la diaspora pour rejoindre à réveil national pour faire une seule bataille dans l'intérêt de la population haïtienne. Bibi Gaye, pas fait qui. Tantôt nous unis, tantôt nous désignés. Faut diversion ça fini dans le secteur. Réveil là à comité 100% diaspora, dis-nous toutes. Qui remet Haïti doit faire une seule pour nous sauver le pays. Parce que l'État pays est arrivé là, si nous ne mettons pas nous ensemble, nous tous a disparu. Nous déconnons cette Aoussa de Konsa, pas à faire rien pour le pays d'Haïti, ni pour la diaspora qui voulait tourner la caille. Le problème pays nous doit résoudre avec les gens qui ne sont pas esclaves. Colonne assassin sa yo. M'a dit nous, peuple haïtien, si ban koke sa yo te vle résoudre problème insécurité ya, yo ta pran Kenya yo, l'armée d'Haïti ak police la, yo ta mette yo yon nan yon endroit différent pour yo faire la relève pou peuple la te ka vakye nan activité sans problème. Mais c'est pas ça qui priorité yo. C'est comme un pour poste parce que vous tout c'est un paquet de chapillés. Pour finir, c'est dans tête ensemble sans diversion. N'en fait pas un petit bon pour nous retirer pays dans ensemble crise. Toute forme qu'a congé population haïtienne.
Haïti pas pour mercenaires. Haïti pas pour machin micro qui fait analyse pour la population haïtienne. Non. Haïti c'est pour tout haïtien qui veut vivre comme ça doit. Il y a un proverbe qui dit côté qui est grand monde, si monde pas joué. Côté qui est grand monde, si monde pas joué. Réveille là, attend tout le monde pour nous capables de désarmer tout abolition et tout bon socon qui ne veut retirer le pays dans la situation. Merci. Nous connaissons qui te prend bâton pèlerinage pour te rencontrer toute structure dans le pays. Port-au-Prince et dans la ville de province. Je dis à un moment arrivé pour nous délivrer Haïti. Merci.